Mon Dieu, il me faut un nouveau look! Je peux enlever ça. Plus besoin de ces lunettes. Merci, oui! Et il faut que j'arrange ce chemisier. Salut, Mindy! Donne-moi ça, Lily! Maintenant, la fête peut commencer! Hé! Donne-moi ton argent! Non! Regardez-moi cette meuf! Oh! J'ai une poussière! Dans l'œil! Ça fait mal! Ce sac est à moi! C'est parti! Ha! Ouf! C'est mieux! Ne te retourne pas! C'est bien, reste distraite! Et… hop! Trop lente, mademoiselle! Je ne pense pas, monsieur! Oh non! Je vais tomber! Oh! Je n'avais pas pensé à ça! Pardon? Ce crétin a détruit mon sac de créateur! N'appelez pas la police! J'arrive pas à y croire! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Regardez mes affaires! Elles sont toutes sales! C'est pas de chance! Mon foulard! On dirait qu'il est encore en bon état! Je crois que je peux en faire quelque chose! Un nœud ici! Et un autre à chaque coin! Voilà! Ça fait une sorte de petite poche! Maintenant, je relie ces deux-là. Un double nœud sera même meilleur. Et voici des poignées. On dirait un sac tout neuf. Parfait pour ranger temporairement mes affaires. Il est même plutôt mignon, pas vrai? C'est pas un petit voleur qui va me gâcher la journée. Oh! C'est pas bientôt fini! Aïe, aïe! Oh, ça va aller? Quelle chochotte! J'ai presque fini! Très bien, voilà! C'est fini? Trop bien! On dirait une vraie rockstar! J'ai hâte de le montrer à tout le monde! Oh, ce pull cache la vue! Je refuse d'avoir autant souffert pour rien! Un pull? Erreur de débutante. Est-ce qu'un nœud fonctionnerait? Je déteste ce truc! À moins que… Je peux enrouler ma manche pour maintenir le tissu relevé. Je n'ai plus qu'à remettre mon bras de cette façon. Comme ça! Comme ça! Il ne descend plus aussi bas. Ma coolitude vient de monter d'un cran! Contente que ça te plaise, gamine! Merci, vilaine tatoueuse! Je veux dire, c'est cool! Oui, je suis trop heureuse! Waouh, oula, ça n'a pas l'air bon! J'en ai vu assez! Vous êtes… méchante! Au revoir! Voyons… Emma… Oh, j'espère que je ne vais pas vomir! J'arrive! La compétition s'annule dure, hein? Je dois la sortir de la course. Je bois simplement mon café… Oups! Quelle maladresse! Hé! Mais ça va pas? Oh, je suis si confuse! Je ne peux pas me présenter comme ça! Je ne peux plus porter ça maintenant! Oh. Ma tenue est fichue! Sauf si je fais un petit ajustement! Réfléchissons! Je peux utiliser ma bretelle pour changer la forme de mon top! Vous voyez comme ça change tout? Avec juste un peu d'imagination! Waouh! Où a-t-elle trouvé ce haut? Sa tenue est plus belle que la mienne!
Oh non! Ouais, je ne serai jamais mannequin! Oh, respire! Bonne chance! Allez! Eh, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Je ferais mieux de me rapprocher. Ils la prennent? Oh! Le casting est terminé! Qu'est-ce que vous voulez? Vous pouvez appeler un taxi. Est-ce que ça vient vraiment de se passer? Oh! Ces accords me touchent profondément. Hein? Une autre soirée à thème? C'est incroyable! Où en étais-je? Ah oui! Aloha, Betty! Prête pour la soirée hawaïenne? Oui, bien sûr! On peut y aller! Tu ne vas pas porter ça! C'est une fête, pas un enterrement! Ben quoi? Tu vas faire fuir tous les invités! Quelques fleurs devraient régler le problème. Aloha! Suis-moi. Ce sont nos seules options? Intéressant. Il fait froid à Hawaï, non? Je plaisante. Je crois qu'on va rester à la maison. Saleté de fleurs! Je me sens un peu mal, du coup. Hé, Bella, salut! Quoi? Ok, ça va. Tu me pardonnes? Tu sais que je ne peux pas rester en colère. Un t-shirt rose? Il était sous notre nez pendant tout ce temps! Attrape! Ça? Ok. Il ne m'ira sûrement pas. Tu vois? Il a un énorme trou! Ce n'est pas un problème. Tu as un t-shirt troué? Plus maintenant. Maintenant que tu l'as découpé, nous avons de quoi travailler. Regardez comme c'est mignon. Utilise le surplus de tissu pour faire de jolies franges. Fais un nœud comme ceci. Tada! Waouh! C'est même assez mignon en fait. Bien joué! Je suis vraiment douée, n'est-ce pas? On y va? Tu es sûre que ça rend bien? Ces fantômes ne savent pas ce qui les attend. Qu'est-ce qu'ils ont de si passionnant, ces jeux? Elle devrait plutôt faire le ménage. J'essaie de me concentrer, maman! Bon, d'accord. Oh, il y a vraiment plein de poussière là-dessus. Oh! Sophia! Tu as ces chaussettes depuis quand? On dirait qu'elle vit à la ferme. Oh, tes chaussettes! Celles-là? Elles sont horribles! Pour réparer un trou comme ça, il suffit de piquer comme ça. Continue en encerclant le trou. Continue de tourner encore jusqu'à ce que le trou se referme. Rentre le fil à l'intérieur de la chaussette à la fin. Hein? Ma chaussette? Plutôt stylée, j'avoue. Merci, maman! Tu ne me caches pas d'autres trous, hein? Très bon. N'oublie pas, Sophia, personne ne remplace une mère. Oh, cette clim est beaucoup trop forte. Je n'ai pas ma veste, donc cette couverture va devoir faire l'affaire. Allez là-dessous, les petits orteils. Cette couverture est trop petite. Oh, allez, réchauffez-vous, les petits gars. Bon, d'accord. Je vais chercher des chaussettes. Les voilà! Attends! Non! Une mythe? Oh, bonjour! Tu manges mon cachemire? Tu es morte! Sors de là, vieille mythe! Personne ne mange ce qu'il y a dans mon armoire! Fais tes adieux! Maintenant, je dois réparer ces trous. Coupe la manche pour suivre ce pli. Tu peux mettre de côté le reste du pull. Ensuite, utilise le tissu pour recouvrir tes sandales préférées. Plie la manche en passant au-dessus de la sandale et fais la même chose avec l'autre extrémité.
Maintenant, tu as des chaussons. Parfait pour garder ses petits orteils au chaud. Qui a besoin de chaussettes quand il a ça? Là, je peux vraiment être à l'aise. Et je serai encore mieux avec une tasse de thé. Hein? Ce truc est encore vivant? Tu as gagné la bataille, mais pas la guerre humaine! Si tu le dis, la mythe. Ah, c'est parti pour un nouveau lundi! Hé, c'est qui ce nouveau garçon? En plus, il fait de la moto! Oh, il est encore plus beau de près! Je me lance! Salut, je suis Sophia. T'es nouveau ici, non? Ok, j'ai compris. C'était le pire jour de ma vie! Je me suis sentie invisible au possible! Des problèmes de garçon? Comment tu as su? Oh, c'est lui! T'inquiète, laisse-moi faire. Mes pouvoirs magiques sont dans cette boîte. Mais d'abord, on va se débarrasser de ça et de ça. Maintenant, regarde-moi. Je peux faire quelque chose. Un peu de rouge à lèvres. Là, on parle. Ma mission est accomplie. Fais voir que je te regarde. Oh, je me sens sublime! Tiens, tu devrais mettre ça aussi. Décollant. Coupe-coupe. Quelques découpes au bon endroit. Et on se retrouve avec des nouvelles manches. Ma tenue est parfaite! Hé! Merci! À plus tard! On va voir s'il va m'ignorer à présent. Waouh! C'est qui ça? Sympa les manches! Tu veux que je t'emmène quelque part? Avec plaisir! Ça a fonctionné à merveille! La sécurité avant tout! C'est parti! Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. De la glace et de la bonne musique? C'est un samedi parfait. Oh! Oh, presque parfait. Je ne vais pas laisser ça gâcher ma bonne humeur. Oh, c'est trop bon. Miam! Y a quelqu'un? Surprise! Je suis à la porte. Oh, c'est génial. Oh, ce n'est pas possible. Il faut que je me change. Vite! Où sont mes affaires? Oh, attends! La machine à laver! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Oh, mes vieilles affaires! Tu penses que je peux trouver quelque chose là-dedans? C'est un vieux reste de tissu. Ouh, j'espère qu'elle va bien. Et si elle s'était fait kidnapper? Ou si elle était tombée dans la douche? Si elle avait un nouveau copain. Betty, j'entre. J'ai une idée. Je peux l'enrouler autour de ma taille et la serrer avec un joli nœud. Mais je n'ai pas encore fini. Je prends aussi les extrémités et je fais un autre nœud. Je le fais passer à travers et ensuite, je retourne le tout. J'ai trouvé les manches. Et ça cache parfaitement la tache. Trop joli, pas vrai? Ouais! J'ai laissé mon portable là-dedans. Ah! Betty, tu es toujours en vie? Je me fais si juste jolie pour toi. Hein? Viens, on s'en va. Pardon. Ces fleurs sont pour moi. Désolée de t'avoir fait attendre. Je ferai tout pour toi. Hé! Hey! Ce match était incroyable! Les autres ont pris une sacrée raclée! Ça change vraiment tout de bien s'entraîner! Qu'est-ce que tu fais ce soir? Oh! Je crois que j'ai un rencard! Oh! Avec Théo? Vous êtes vraiment amoureux! On peut le dire! Mais je voulais dire que… Oh, Sophia? Quoi? J'ai reçu plein de coups à cause de la balle! Je ne peux pas sortir comme ça! Mais l'espoir n'est pas mort. En fait,
J'ai même la solution parfaite. Ta-da! Un, deux collants. À mettre en même temps. Pas mal. Enfile d'abord les collants de la couleur de ta peau. Une fois mis, enfile les collants noirs par-dessus. Continue. Debout. Alors, tu vois des bleus? Aucun bleu à l'horizon. Mes jambes sont comme neuves. Merci, Betty. Avec plaisir. Salut. Oh, j'adore trop ça. Si seulement je ne pouvais me nourrir que de chocolat. Oh, et de glace, bien sûr. Waouh, ça fait beaucoup de cochonneries pour une seule personne. Qu'est-ce que tu fais? C'est comme si tu mangeais directement du sucre. Si tu continues de manger comme ça, tu ne vas plus ressembler à ça pour encore très longtemps. Tu dois avoir raison. Mais est-ce que ce serait si grave? Oui! J'ai enfin obtenu tout le chocolat dont je rêvais! Ouh! Je n'ai pas envie de ça pour moi! Et je dois me mettre au sport! J'arrête de traîner en pyjama! Il y a forcément des vêtements de sport quelque part là-dedans! Mince! C'est le seul legging que je trouve! Et alors, qu'est-ce qui ne va pas? Mais regarde, il ne me va pas! Écoute, je suis sûre qu'on peut bricoler quelque chose pour qu'il ressemble au mien! C'est une super bonne idée! Je vais le mettre bien à plat! Et ensuite, j'aurai besoin de ciseaux! Je vais le couper pour le raccourcir! Je vais y aller tout doucement pour m'assurer que je coupe bien droit. Comme ça, tout simplement. La même chose pour les deux jambes. Parfait! Il est prêt! Je peux l'enfiler. Waouh! Il me va super bien! Et il est joli! Bien joué! Il est génial! Merci! Allez, on va courir! Je dois juste finir de faire mes lacets. Je devrais sans doute jeter ce chewing-gum. Je vais le mettre juste là. Oh, quelqu'un m'envoie un message. Oh là là! Cet entraînement était super dur! Stop! Non! Je t'ai dit d'arrêter! Pourquoi tu ne m'as pas écouté? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? C'est du chewing-gum? Je me suis assise sur un chewing-gum! Pourquoi est-ce que tu laisses toujours tes chewing-gums traîner partout? Qu'est-ce que je suis censée faire avec ce legging maintenant? Tu sais quoi? C'est à toi de l'enlever! D'accord, mais je ne sais pas vraiment comment faire. Ne te presse pas, surtout! Oh, c'est idiot! Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça! Il y a forcément quelque chose à faire! Attends une seconde! J'ai une paire de ciseaux! Jamais de la vie! Je ne veux pas d'un trou dans mon legging! Écoute, fais-moi confiance! Je sais que ça fait peur, mais ça va carrément marcher! Je te le promets! Je vais juste commencer par couper ton legging. Et voilà, je vais juste enlever l'endroit avec le chewing-gum. Oui, pile comme je l'imaginais. Regarde, tiens, essaie-le. D'accord. Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Calme-toi et tourne-toi, s'il te plaît. Tu vois, maintenant tu les coinces juste à l'intérieur. Ah, c'est plutôt mignon. Ah, mais je n'ai toujours pas de pantalon! Tiens, tu peux prendre mon short! T'es super mignonne! Phew, je suis trop soulagée que ça ait marché! Ok, oui, vous pouvez entrer! Oh, on dirait qu'il faut faire la queue avant d'entrer! J'espère qu'il ne faut pas attendre trop longtemps! Oui, la queue avance encore! Wow, très jolie! Entrez! Non. Non, pas possible. Quoi? D'accord, je m'en moque. Je ne voulais pas y aller de toute façon. Il faut que les gens apprennent à mieux s'habiller s'ils veulent entrer. Et c'est lui qui dit ça? Alors que son classique est ennuyeux à mourir. Attends, je peux peut-être essayer avec cette tenue? J'ai dit non! Je dois bien pouvoir faire quelque chose pour entrer. Les cheveux lâchés, les lunettes rangées. C'est parti! Encore vous? Non! 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 Bon sang, pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à se le mettre dans la tête? C'est pas juste! Il est tellement méchant!
Et si j'utilisais ces ciseaux, ça fonctionnerait? Attends, ça pourrait vraiment marcher! Désolée, mon sac, mais je dois te découper. Et voilà, j'ai enlevé le fond. Maintenant, l'étape suivante. Je le porte comme un débardeur. J'ai besoin d'autre chose pour que cette tenue en envoie vraiment. Ma créole devrait faire l'affaire. Parfait! Maintenant, c'est sûr que je rentre. Wow! Bon, d'accord, vous pouvez entrer. Oui, je savais que ça marcherait. Je dois juste passer par mon casier. Oh, il est vraiment trop mignon. Salut, on se voit plus tard, mon beau. Oh là là, il est juste là. Salut! Il ne m'a même pas remarqué. C'est trop injuste. Oh, elle pleure là-bas? Effectivement. Je me demande si je peux faire quelque chose. Je sais qu'elle est à fond sur Jared. Tu sais quoi? Je vais aller lui parler. Salut, tu pleures à cause de Jared? Écoute, je crois que je peux t'aider à attirer son attention. Je t'assure, prends mon bracelet et fais exactement ce que je te dis. D'accord, je peux faire ça. Oh, j'espère vraiment que ça va fonctionner. Très bien, d'abord je dois déboutonner et enlever mon gilet. Et ensuite, elle a dit que je devais le mettre à l'envers. Ok, ça c'est bon. Maintenant, le bracelet entre en jeu. Cette étape peut être un peu difficile. Je dois attraper les deux bouts dans mon dos et les faire passer dans le bracelet. Ensuite, je dois tirer jusqu'à ce que ce soit bien serré. Maintenant, il faut que j'attache le dernier bouton à l'avant. Et je vais simplement plier le gilet pour qu'on ne voit pas le bouton. Parfait! Maintenant, j'enlève mes lunettes et je détache mes cheveux. C'est bon, je crois que je suis prête à frimer avec mon nouveau look. Wow, mais qui c'est ça? Elle est sublime! Salut, je t'ai acheté ce nounours parce que je sais que tu aimes les peluches. C'est quoi ce délire? Et d'où sont sortis tous ces garçons? Oui, c'est vrai que c'est logique. Wow, je dois être un peu fatiguée. Attends, c'est quoi ça? Non, pas possible! Je ne raterai cette soirée pour rien au monde! Mais je ne peux pas sortir dans cette tenue! Bon, calme-toi et réfléchis un peu. Je peux me maquiller avec les deux mains à la fois. Ça va forcément me faire gagner du temps. Oh, ces boucles d'oreilles sont tellement dures à mettre. Oh, j'ai cassé ma brosse. Et maintenant, j'enfile ces escarpins rouges du tonnerre. Oui, c'est sûr que j'ai bien choisi. Mais qu'est-ce que je vais mettre comme tenue? Trop chic. Trop décontracté. Oh, et je crois que c'est la tenue parfaite. Oui, c'est vraiment la tenue qu'il me faut. Coucou, tu es prête à y aller? Oh non! Tu portes la même robe que moi? Mince, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On ne peut vraiment pas sortir comme ça. Oh, ouais. Attends, une seconde! Je viens d'avoir une idée géniale! Je sais comment arranger ma robe pour qu'elle ne ressemble plus à la tienne. Je vais juste croiser les bretelles, comme ça. Et maintenant, je vais devoir utiliser mes bons vieux ciseaux. Je découpe des fentes de chaque côté. Parfait! Waouh! Elle n'a presque plus rien à voir avec la mienne! Tu vas vraiment être sublime ce soir! Oh, je n'aime pas du tout ces aiguilles à tricoter. Mais ça fait du bien de passer un peu de temps avec ma petite fille. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Et voilà, c'est parfait. Ma chérie, regarde ce que j'ai fait pour toi. Hein? Oh, tu m'as tricoté un pull? Merci. Tiens, voilà. Waouh, il est lourd. Alors, tu aimes? Merci, il est génial. Si jamais je mets ça à l'école, on va se moquer de moi. C'est pas bon pour ma réputation. Regardez comme elle est habillée. Bouh, regarde. Non, il n'y a pas moyen. Je ne veux pas de ça. Hé, mamie? Oh, elle s'est endormie. Mince, qu'est-ce que je peux bien faire? Une seconde, j'ai une idée. C'est le moment de tenter un truc. Je vais faire en sorte que ce pull m'aille mieux. Je vais juste changer ce col roulé en robe. Ouais, ça le fait.
Maintenant, il me reste à faire quelque chose de ces manches. Hé, j'ai juste à les nouer derrière mon dos. Juste un petit nœud plat vite fait. Et je cache les bouts par-dessous pour ne pas les voir. Et voilà comment transformer un pull hyper large en une jolie robe. Oh, mamie est trop mignonne. Je vais la laisser dormir, elle en a besoin. Elle est si attentionnée avec moi. Voyons si les autres veulent encore rire de moi. Waouh, sa robe est trop classe. Merci, c'est ma grand-mère qui l'a faite. Ouh, c'est l'heure de faire la fête. Salut, je t'ai apporté un cadeau. Waouh, merci beaucoup. De rien, j'ai trop faim. J'adore recevoir des cadeaux. Je me demande ce que c'est. Oh, c'est trop excitant. Alors, qu'est-ce que c'est? Il n'a vraiment aucun sens du style. Alors, tu aimes? C'est une jupe? Elle est un peu grande. En fait, c'est un pantalon. J'adore la couleur. Oh non, c'est horrible. Attends, on peut réparer ça. Oh, ok, essayons. Allez, c'est le moment de sauver cet anniversaire. Voici un pantalon vraiment gigantesque. Il me suffit de prendre une paire de ciseaux. Je découpe juste une jambe. Voilà, et je la retire. Ce n'est plus un pantalon maintenant. Je l'enfile sur ma tête. Et cette jambe devient une manche. Et voilà, cet affreux pantalon est devenu un top. Salut, je suis de retour. Waouh, trop belle! Je ne savais pas que ce pantalon faisait aussi t-shirt. Ah là là, les garçons! Ces vacances vont être géniales! J'ai trop hâte d'être toute bronzée! Et j'ai fait des folies sur les achats, tu verras! Bouclons cette valise! Je ne dois rien oublier! Surtout mon chapeau. Je ne peux pas prendre ces chaussures. Il me faut plutôt des sandales. Où les ai-je laissées traîner? Ah! Une souris! Elle a grignoté mes sandales! Rends-les-moi, stupide rongeur! J'ai dit donne! Ah! Allez, file d'ici! C'est bon, elle a disparu. Hé, ça me donne une idée. Je peux prendre ses bottes et en couper le bout. Et voilà. C'est propre. Et maintenant, je coupe tout le long ici. Et voilà le résultat. Ça me fait une nouvelle paire de sandales. J'adore. Prends ça dans ta face de souris. Attention la plage, j'arrive! C'est le jour de la lessive! Heureusement que je n'ai pas trop de linge à laver. Oh, mon jean préféré! Je l'adore vraiment! Et voilà, juste une petite machine. C'est parti, ça devrait aller vite. Je vais quand même vérifier l'heure. Je vais m'asseoir et attendre ici. Waouh! On en apprend tous les jours! Oui, j'attends que mon linge se lave. Oh, c'est fini! Je te rappelle. Ok! Voici ma jupe. Quoi? Mais pourquoi est-elle aussi petite? Non, 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 c'est pas possible! Pas mon jean préféré! Ouf, il a l'air normal. Je vais quand même l'essayer pour être sûre. Allez, rentre! Je dois tirer plus fort! Oh, c'est inutile! Il a dû rétrécir lui aussi! Mon jean est fichu! Je suis dégoûtée! Ma journée est fichue! J'ai l'impression d'avoir été trahie par cette machine à laver. Hé, j'ai une idée!
Peut-être que si je l'enfile à l'envers, je peux remonter les jambes. Et… je tire dessus! Ouais, ça a marché! Je suis rentrée dedans! Bye bye la jupe, je n'ai plus besoin de toi! Ouais, mon jean préféré me va encore! Et il est encore plus près du corps! Je vais finalement passer une bonne journée! On dirait que c'est la bonne adresse! Oh, ce doit être mon colis! Une livraison pour vous! Ouais, j'adore recevoir des colis! Celui-là vient d'Australie! Ouvrons cette boîte! Allez, je dois retirer ce scotch! Oh, ça ne sert à rien! Mais oui, utilisons des ciseaux! C'est plus efficace pour couper le scotch! Je coupe bien toute la longueur! Et voilà, je peux ouvrir le carton! Oh non! J'ai découpé ma veste! Elle est fichue! C'est une catastrophe! Je peux peut-être faire quelque chose? Allez, je vais l'enfiler et voir ce que je peux faire. Je vais reprendre les ciseaux. Je vais continuer de couper là où c'est déjà déchiré. Voilà, et je fais tout le tour. Je peux maintenant utiliser le bas pour faire une jupe. Les boutons m'aideront à la faire tenir. Et voilà, ça me fait un joli petit ensemble. Waouh, ce look est incroyable! Je dois faire une photo. Ces selfies vont m'attirer des likes. Et voilà, je vais publier celle-là. Oh, j'espère qu'ils vont aimer. Ça y est, ils me trouvent trop cool! Oui! J'ai hâte de me reposer un peu. Je l'ai bien mérité. Allez, j'ai juste à mettre mon maillot de bain. Oh non, mon maillot est totalement fichu. Mince, j'ai oublié qu'il y avait une barre de chocolat dans mon sac. Je ne peux pas le porter comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Je crois que je sais comment réparer ça. Il me faut juste ce grand morceau de tissu. Ok, on dirait qu'il y a largement de quoi faire. Super! Je vais commencer par l'enrouler autour de ma taille. Bien! Ça fait presque comme une jupe! Trop mignon! Mais je n'ai pas fini. Je le passe entre mes jambes. Je le passe sous le nœud que je viens de faire. Maintenant, je baisse un peu le bord supérieur. Et j'utilise le reste pour faire un autre nœud derrière mon dos. Et voilà! Ça tient! Tada! Mon nouveau maillot de bain! Maintenant, je peux bronzer! Il ne me reste plus qu'à me mettre plein de crème! Waouh! Ce maillot de bain est trop beau! Arrêtez de la regarder! Avance! Test du maillot validé! Ça va faire super ici! Tout le monde aime la pastèque! Et ça va donner à ma fête une ambiance exotique. On ferme les rideaux. Voilà, je crois que c'est prêt. Pas mal du tout. Sauf que j'allais presque oublier ma pastèque. Comme elle est belle. Je vais la porter dans le salon. Le monde est si cruel! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ah, je sais! Oh, le magasin est fermé! Mais il me faut une pastèque! Je vais me débrouiller! Je ne suis pas au bon endroit. Peut-être que j'en trouverai une ici. Je crois que c'était une mauvaise idée. Oh, oh. Enfin! De délicieuses pastèques! Mais dans quel état est mon t-shirt? Ce n'est pas le plus important. Ah! Zut! Je n'ai pas apporté de sac pour la transporter. Mais peut-être que je n'en ai pas besoin. Si j'agrandis les trous dans mon t-shirt, je pourrais m'en servir. Il est fichu de toute façon. C'est bon, ça devrait suffire. Je n'ai qu'à l'enlever et le retourner. Et puis, je fais un nœud ici.
Ça va être super pratique. C'est la taille parfaite pour cette pastèque. Et je peux la rapporter chez moi. C'est vraiment parfait. Allons-y. Me voilà enfin rentrée. Je vais mettre ma pastèque juste ici. Ce t-shirt m'a vraiment sauvé la vie. Hé, hey, c'est de la pastèque. J'en veux une tranche. Elle est super bonne. J'adore. C'est l'heure de sortir la poubelle. Oh, quelle fatigue. J'ai besoin d'un jour de repos. Bah, ça sent mauvais. Oh non, voilà Chris. Il faut pas qu'il me voie comme ça. Je suis sapée comme une poubelle. Il me faut une solution, et vite. Mais pourquoi est-ce qu'il s'est assis là? Je vais me cacher jusqu'à ce qu'il s'en aille. Allez, Chris, va-t'en. Oh non, il approche. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas le choix. Je plonge. Quoi? Mais c'est incroyable. J'arrive tout de suite. Aïe, maintenant je ressemble vraiment à une poubelle. Mais bon, au moins j'ai toujours ma dignité. Non, c'est une mauvaise idée. Allez, réfléchis. Il doit bien y avoir une solution. Je peux peut-être utiliser des déchets. Au grand mot, les grands remèdes. Ça aurait pu être pire. Quoi? Mais c'est incroyable. Ça va, l'ami? Ouais. Va-t'en. Une seconde. Je te connais. Luna. Salut, Chris. Qu'est-ce que tu fais? Tu ressembles à un clochard. Pas besoin d'être méchant. C'est vraiment une tocarde. Quelle méchanceté. Non, ça doit pas être si difficile. Ça commence à faire long. Ah, l'aubaine. Mais qu'est-ce que... Il me faut cette robe. On échange? C'est complètement folle. Ew. Je savais que ça ne marcherait pas. Ça y est, je crois que j'ai trouvé. Je vais tirer mes manches comme ça. Et passer mes bras par le col de mon pull. Ensuite, je fais un joli nœud sur le devant et un joli nœud derrière mon cou. C'est super mignon. Ah, mes cheveux. Voilà qui est bien mieux. Mais quoi? Mais c'est incroyable. J'arrive tout de suite. Chris? Hé, hey, reviens. Tiens, salut. Comment ça va? Salut Luna. Quelle classe, dis donc. Oh, tu es trop gentille. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est drôle. Oh, j'ai reçu un message super mignon. Pas possible. Regarde, Chris veut sortir avec moi. Quoi? Jalouse? Mais attends. Regarde ça. Chris veut sortir avec moi aussi. Oh, comment est-ce qu'il ose me faire ça? Ah, les hommes. Il doit y avoir une erreur. T'as raison. Pourquoi est-ce qu'il voudrait sortir avec toi? Seul de nous deux peut sortir avec lui, d'accord? Ok, et ça va être moi. Ouais, c'est ça. On va bien voir. Je vais lui en mettre plein les yeux. Ah ouais, tu veux la jouer comme ça. J'allais justement mettre ce rouge à lèvres. Oh, dommage pour toi. Ne t'en fais pas pour moi. J'adore ces boucles d'oreilles. Je comptais pas les mettre de toute façon. Celles-ci sont beaucoup plus classes. Si ça te fait plaisir de le penser... Si ça te fait plaisir de le penser, j'ai plus qu'à prendre mon sac. Moi aussi. Celui-là. Tu plaisantes? Il n'était pas assez beau pour moi de toute façon. Ce jean me va super bien. Il est à moi. Non, à moi. Mais lâche. Je l'ai vu avant toi. Arrête. Toi d'abord. Oh, regarde ce que tu as fait. Tu peux le garder. Bonne chance. Mais... Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je peux pas mettre ça. À moins que... Je vais le déchirer un peu plus. Et puis je passe mes bras dans les jambes. Et ma tête dans l'ouverture. Voilà, comme ça. Maintenant, je l'ajuste un peu. Waouh, c'est vraiment la classe. Et je suis prête. Pas si vite. Pas mal, hein? J'avoue, tu t'es dépassée. Salut. Laisse-moi passer. Chris?
C'est qui avec lui? Waouh! Hey, salut les filles! Ah! Des jumeaux! Oublions tout ça! Après toi! Ouais, j'attends juste Mindy. Ah, la voilà! Je te laisse! Salut, ça va? On y va? Hein? Je peux pas me lever! C'est bizarre! Tu vas pas être contente, la peinture est fraîche! Non, j'avais pas vu l'écriteau! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je peux pas bouger! Je suis collée au banc! Ah! Ça arrive assez souvent! Qu'est-ce que je peux faire? Au fait, j'ai utilisé de la peinture ou de la colle? Oups! Faisons comme si de rien n'était! Ça sert à rien! Je suis coincée! Attends, j'ai peut-être une idée? Je pensais que ça marcherait! Tire plus fort! Allez, tire-toi de mon banc! Ouf! Ça a été dur! Je suis épuisée! M'en parle pas! Ça va derrière? Dis-moi la vérité! Il est fichu, n'est-ce pas? Complètement! Mais attends! Je crois que je peux t'arranger ça! Il me faut juste deux ou trois choses! Merci beaucoup! J'adorais ce jean! Allez, au travail! Fais-moi confiance! Je vais juste ajouter un peu de peinture sur ton jean! Je vais même utiliser des pochoirs. Tu vas avoir une classe d'enfer. Encore quelques petites lignes ici. Et ça, ça va faire super joli. Je devrais me lancer dans la mode. Voilà, pour ce côté. Et maintenant, le devant. Grâce à ce bout de carton, tu n'auras pas du tout de peinture sur la peau. Je devrais carrément me faire payer pour ça. Ok, encore quelques détails. Et voilà, terminé. Qu'est-ce que tu en dis? Waouh, mais c'est super beau! Et mon jean est unique au monde maintenant! Tu es géniale! Tu aurais fait la même chose pour moi! Allez, on y va! Où est ma peinture? J'ai dû la poser quelque part! Ouf, je croyais que je l'avais perdue! Oh oh! Je viens de faire une grosse erreur! Salut à tous! Je sens que cette journée va être merveilleuse! Autant que ma tenue, je l'espère! Oh! Tout doux! Tout doux! Ah, qu'est-ce que... Oh non! Je tombe! Oh! Ouch! Je suis vraiment désolée! Tu vas bien? Je ne t'avais pas vue! D'habitude, je m'en sors plutôt bien en patins! Nos chaussures vont super bien ensemble! Comment je pourrais me fâcher contre quelqu'un qui aime le rose autant que moi? Je te remercie! Oh, regarde! Des roulettes roses! Oh là là! Je les veux! Genre maintenant! Je fonce! Je peux te l'acheter? Génial! Merci! Elle est à moi maintenant! Mais je vais faire quelques modifications. Vous avez deviné? Je vais fixer les roues sous mes chaussures. Et voilà, j'ai des patins. Je vais les rendre un peu plus confortables. Qui n'aime pas la fourrure rose? Je vais aussi mettre des strass parce que j'en ai envie. Oh, c'est tellement beau! Mais bon, c'est vrai que ça prend un peu de temps. Voilà, une petite avance rapide et c'est parfait. Et voilà, j'ai terminé. C'est mignon, vous ne trouvez pas? Il faut juste que j'évite de me casser la figure. Mais ça devrait aller. Attention, prête et roulez! C'est parti! C'est trop drôle, pas vrai? Les amis à roulettes, c'est pour la vie! Waouh, ce nouveau jean me va super bien! Oh! C'est Kevin! Il veut qu'on aille au parc! Cette tenue est tout simplement parfaite! J'espère qu'il l'aimera autant que moi! J'ai tellement hâte! Ça va être une journée de folie! En tout cas, elle commence bien! Oh, coucou, petit ami à plumes! Passe une excellente journée! Hé! Oups!
Oh non, qu'est-ce que t'as fait? Au revoir. Oh, j'y crois pas. C'est encore Kevin. J'ai pas envie qu'il me voie comme ça. Oh, une petite seconde. C'est quoi ça? Un gamin m'a renversé du chocolat dessus. Pas terrible. Mais quelque chose me dit qu'on va pouvoir arranger ça. Ah bon? Comment? T'inquiète, je gère. D'abord, il me faut de la peinture marron. Maintenant, je vais l'étaler avec une éponge. Comme ça, ça fait un joli cercle. J'ajoute un peu de peinture sur une brosse à dents et je vais l'appliquer autour du cercle. Ce sera plus diffus. Il suffit de faire de petits mouvements de l'intérieur vers l'extérieur et inversement. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Une fois que c'est fait, je vais prendre un marron plus clair pour créer un effet de contraste. Puis, je prends un coton-tige et je fais de petits points noirs ici et là. Vous avez deviné ce que je suis en train de faire? N'oubliez pas de faire sa petite bouche. Il sera mille fois plus mignon avec des lunettes. Waouh, c'est bien plus joli qu'une tache. Et pendant qu'on y est, je vais lui peindre un chapeau rouge. Bon, ça prend un peu de temps de tout colorier. Voilà, j'ai presque terminé. On n'oublie pas les angles. On peut aussi utiliser un rouge plus foncé pour faire le bord ou bien pour dessiner des motifs. On ajoute un petit message joyeux. Et voilà! Waouh! C'est incroyable! Et dire que tout ça part d'une simple tâche! Je dois y aller! Au revoir! Au revoir, petit ourson! Hé! Psst! Psst! Tu en veux un autre? Miam! Voilà pour toi! Beau travail! Miam, merci! Top là! Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Du rose ou du jaune? Du jaune, c'est décidé. C'est quoi ce bruit? Oh non, maman est déjà rentrée. Il faut vite que je cache mes tenues de fête. Chut! Elle ne saura jamais que je suis partie. Tout a l'air en ordre par ici. Mickey s'est déjà endormie. Waouh! Elle doit être très fatiguée. Fais de beaux rêves, mon ange. Je vais aller me coucher, moi aussi. J'en reviens pas que ça ait marché. Maintenant, il ne me reste plus qu'à sortir d'ici. Oula, c'est haut! Faites que je ne tombe pas, hein? Pfiou! Un peu de poussière n'a jamais tué personne. Waouh, cet endroit est génial! Mon pyjama, par contre! Heureusement, j'ai la solution! Vous ne pensiez quand même pas que j'irais en boîte comme ça! Je vais simplement retirer cette manche et la passer derrière, comme ça! Regardez comme c'est élégant! On ne dirait pas du tout que c'est un pyjama! Voilà, il n'y a plus qu'à! C'est parti! Je vais danser toute la nuit! Pardon, les filles! Le DJ déchire grave! Wouhou! Je vais faire quelques pas par là! Oups, désolée. Mickey, c'est toi? Il faut croire que les chiens ne font pas des chats. Une seconde, moi aussi je sais danser, regarde. Oh, ouais, je vois ça. Je risque pas d'oublier cette soirée. Ouh, cette journée d'école s'annonce bien. Oh, c'est pas grave. Je vais me changer. Voyons voir. Plutôt vert ou plutôt rouge aujourd'hui? Bof. Ouh. Ah, sûrement pas. Pourquoi est-ce que mes habits sont tous troués? J'ai vraiment rien à me mettre. Je me demande de quoi j'aurai l'air là-dedans. Trop drôle. Mais non. C'est tout ce qu'il reste? Waouh, j'adore cette couleur. Génial. C'est plutôt tendance, non? Est-ce que cette couleur me va bien? Je trouve ça pas mal. Hiii! Ta-da! Waouh! C'est magnifique! Parfait! Allez, c'est parti! Tu es prête, Mandy? C'est l'heure d'y aller! C'est quoi tout ce bazar, hein? J'ai dû faire face à une urgence vestimentaire. On dirait qu'une tornade est passée ici. Quoi? T'aimes pas ma tenue? Attends.
Et si tu essayais ça? Quoi? Tu veux que je porte ton t-shirt? Tiens, ça ne va pas m'aller. Essaye-le, tu verras. Ouais, la taille parfaite. Oups, désolé. Merci pour ton aide. Ce truc est affreux. À moins que... j'arrive à en faire un joli haut. Il faut que je fasse quelque chose de cette manche. Et voilà, un t-shirt tout neuf. Voyons voir ce que ça donne. Waouh, ton t-shirt est super cool. Dis-nous, est-ce que tu l'as acheté? Waouh! C'est vrai qu'il est tout à fait unique, pas vrai, les amis? Oh, attends, je crois qu'on y est. Allez-y, amusez-vous bien, mesdemoiselles. Quoi? On peut entrer que si on porte une robe? Bon, dans ce cas, je vais y aller. Attends, tu vas pas me planter là? Très bien, je m'en vais. Salut, je suis venue seule ce soir. J'ai envie de faire la fête. Je peux entrer? Pas de robe, pas de fête. Et là? Je n'accepte pas les pots de vin. Quoi? Bon, bon, d'accord, tenez. Je crois que j'ai déjà dit non. Oh, j'ai une idée. Et si on faisait un échange? Là, ça peut le faire. Continuez, je vous prie. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Donnez-moi ça. On va la customiser un peu, d'accord? Boutonnez la chemise à la taille et fermez-la jusqu'en bas. Une fois que c'est fait, attrapez les manches et attachez-les dans le dos. Une jolie rosette fera l'affaire. Regardez ça, n'est-ce pas mignon? On dirait que c'est fait pour ça. Une toute dernière chose. Il faut que j'enlève mon pantalon. Ça ne va clairement pas ensemble. Mais je vais garder les chaussettes. Enfilez une jolie paire de talons et vous voilà avec une super tenue. C'est l'heure d'aller danser! Alors, qu'est-ce que vous en dites? Pas mal pour une chemise aussi basique, hein? Impressionnant! Et c'est clair que je suis le gagnant dans tout ça! Wouhou! Waouh, cet endroit est incroyable! Et dire que j'ai failli ne pas entrer! Cette chemise est à tomber! Ça te va super bien! J'ai jamais rien vu de tel! Oh, merci! Que la fête commence! Santé, les filles! Wouhou! Nouvelle école est super! C'est des tampons! Burk! Qu'est-ce qui est si drôle? Oh non, ce n'est pas possible! La journée commence mal! À moins que je reprenne le contrôle! Savais-tu que les tampons pouvaient servir à faire de superbes boucles dans tes cheveux? En plus, ils ont la taille parfaite! Alors enroulez et un peu de patience! Tu vois? Fabuleux! Waouh! C'était incroyable! Heureusement que j'en ai apporté beaucoup! Oh, essayons! Pour ton nez qui coule! Ah! Rien de tel que de nouveaux vêtements! On se sent comme une toute nouvelle personne! Mais ces vieux collants peuvent être problématiques! Non! Tu vois ce que je veux dire! Et maintenant? Heureusement que j'ai une autre paire! Je vais essayer encore une fois, d'accord? Doucement, doucement! Oh! Non! J'ai la poisse ou quoi? Et cette paire? Ding, ding, ding! Nous avons un gagnant! Oh! C'est quoi votre problème, les ongles? Oh! Je laisse tomber! Et ces vieux trucs? Impossible! Oh. Mais non! Ces trous sont énormes! Oh. Et me voilà! Bon, je me serre et je me casse! Il y a quoi d'autre par ici? Des fleurs fraîches, parfaites pour offrir à ma chérie!
Regarde ce magnifique visage. C'est pour moi. Ces gens doivent être riches. Oh oh, je ne suis pas seule. Pourquoi toutes ces larmes? Mes collants continuent de se déchirer à cause de ces stupides ongles. Quoi? J'ai une paire en parfait état. Tu vois, ils sont à toi. Mais mes doigts! Mets des gants alors. Attrape! Des gants? Bien sûr, merci. Plus de problème. Ils s'enfilent super facilement. Je peux même tirer dessus, tu vois. Merci. Mes jambes sont fabuleuses. Ce voleur s'y connaît. Tu sais quoi? Elles sont presque aussi jolies que toi. Ah, merci. Attends une minute. Oh oh, il est temps de partir. Reviens ici. Salut Gina, regarde ma tenue. Jolie, hein? Ouais, super sympa. Bon, j'ai faim, moi, maintenant. Alors, des chouettes ragots? Ouais. Oh mon Dieu, regarde ce sac à main. Et celui-là aussi. Oh non, pas ma jupe. Je suis couverte de thé. Comment tu peux être si maladroite? Oh, désolée, laisse-moi t'aider. Oh, je suis juste un peu maladroite aujourd'hui. Tiens. Quoi? Merci alors. Attends. Je sais. Quoi? Donne-moi ta jupe. Ok, si tu insistes. Maintenant, regarde la magie opérée. Mets-la dans un bol avec plein de sachets de thé. Puis, verse de l'eau chaude bouillante. Tu vois la couleur qui dégorge? Il faut qu'elle soit complètement submergée. Laisse-la tremper pendant une journée. Et tu auras une nouvelle jupe. Qu'est-ce que tu en penses? Tiens, elle est encore mieux qu'avant. Waouh! Qui est cette déesse? J'y vais! Waouh! Oh non! Une preuve de mon amour, ma chérie! Oh, j'aimerais avoir un petit ami! Comme ça, j'aurai des cadeaux aussi! Oh, c'est tellement beau! Ouais, tu es si gentille! Bref! Oh oui! Hé, hey, les yeux de ce côté, s'il te plaît. Il serait si heureux si j'étais sa petite amie. Oh, trop gentille. Oh. Ouais. Hé, hey, je ne suis pas invisible, tu sais. Waouh. Je suis une pro du maquillage. Oh, fantastique. Oh, tu aimes le rouge à lèvres? Je peux le faire aussi, regarde. D'abord, utilise une lame pour couper le haut du bâton. Ensuite, pousse-le jusqu'en haut. Maintenant, coupe le long du côté comme ceci. Et refais pareil de ce côté. Enfin, coupe un morceau en forme de triangle ici et enlève-le. Lisse les côtés avec la partie plate de la lame. Maintenant, tu as un rouge à lèvres en forme de cœur. Wouhou! Qui veut un peu de mon amour? Je sais à qui je veux le donner. Ok! Et... Oups! Hein? Oh non! Je suis tellement maladroite! Attends! Laisse-moi t'aider! Quoi? Je t'aime! Je veux dire, merci pour ton aide! Oh! Et voilà! Je suis de retour! C'est quoi ça? Un cœur? Laisse tomber! Fiche le camp! Tu m'accompagnes au cours de chimie? À plus! Oh non! Mais attends, je t'accompagne en cours! Tu as mon cœur après tout! Et maintenant, j'ai le tien! Ouais! 1, 2, 3! Waouh, celui-là était grand! Ouf! C'était pas évident!
Mais ça vaut la peine de souffrir pour la fête de ce soir. Et mon Jake sera là. Son joli appareil dentaire et tout. En fait, j'ai une idée géniale. Et ça va sûrement beaucoup plaire à Jake. Mais ça va demander un peu d'assemblage. On en ajoute encore quelques-uns. Et on obtient l'appareil dentaire. Maintenant, place-les autour de tes dents. Bonjour l'appareil dentaire. Il va adorer ça. Je me demande si Jake est déjà là. Ohé ! Quoi de neuf ? T'as l'air en forme. C'est toi qui as l'air trop belle. Cette musique est géniale. Dansons toute la nuit. Youhou ! Yeah ! Levez les mains. Cette boule à facettes va-t-elle tenir ? Gina, viens là. C'est bon. La fête est finie alors. C'est bon. Notre lumière dentaire va faire durer la fête. Génial. Que la fête continue. C'est une ambiance de folie. Les effets de lumière. Continuez de sourire, d'accord? Voilà, c'est beaucoup mieux. Ah, rien de tel que la bonne odeur des fleurs. Je suis à la maison. Phew. Oh oh. Oh, Gina. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Sur quoi je me suis assise là? L'éponge à maquillage de Stacy? Pas mon problème. Pourquoi c'est si calme? Hé? Tu vas bien? Pourquoi? Tout va bien. Je dois y aller. Où est-ce que tu vas? Comme tu veux. C'est l'heure du maquillage. Où est mon éponge à maquillage? C'est bizarre. Elle doit bien être quelque part. Oh, elle est là. Merci bien. Pourquoi est-elle coupée en deux? Gina! Hein? Hein? J'ai dû rêver. Retour au pays des rêves. Oh, je n'arrive pas à y croire. Elle a laissé ses affaires. Les choses vont s'arranger. Tu savais que tu pouvais utiliser du dentifrice pour garder ton éponge en un seul morceau? Il suffit de la mettre dans un sac en plastique et d'y ajouter de l'eau. Puis ferme-le et regarde la magie du dentifrice opérer. Oh, je sens que ça marche! Tada! Elle est de nouveau en un seul morceau! Et voilà! Qu'est-ce qui marche ou ne marche pas? Commente ci-dessous pour nous le faire savoir! Ces conseils de beauté t'ont-ils été utiles? Combien de collants as-tu déjà abîmés dans ta vie? Fais-le nous savoir et n'oublie pas de t'abonner pour recevoir d'autres vidéos super utiles!